En procédant à l'ouverture officielle du marché Fumi situé en face de la sous-préfecture de Douala Deuxième ce 20 avril 2023, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, exprime la satisfaction du gouvernement avant de rappeler que cette réalisation est la concrétisation du projet de société du chef de l'État Paul Biya. Notre jeunesse ose, c'est notre jeunesse croit. Et c'est aujourd'hui la ligne politique, le projet de société du point de vue économique prôné par le chef de l'État, qui est de promouvoir la consommation, d'abord promouvoir la production, et puis donc la consommation de nos propres produits. Et le contexte international nous apprend que dépendre des autres, dépendre de l'extérieur devient de plus en plus suicidaire. Et c'est pour ça qu'il faut se féliciter et encourager les promoteurs de cette initiative. Certes, le Cameroun est un pays ouvert, ouvert au monde. Mais on fait d'abord chez soi avant de regarder les autres. Il est donc important, il faut que les Camerounais le comprennent. Il faut encourager les producteurs, il faut encourager les promoteurs. Il faut nous habituer à consommer nos excellents produits du point de vue de la santé, excellent également du point de vue même gustatif. C'est un marché qui vient résoudre les problèmes de précarité, de promiscuité et d'insécurité longtemps vécus par les commerçants. Ça nous fait du bien. Non, maintenant, c'est VIP. Gérard Fumi, promoteur du marché, exprime sa satisfaction après avoir apprécier l'accompagnement de l'État à travers le ministre du Commerce. C'est une joie pour moi aujourd'hui, d'après avoir réalisé quelque chose comme vous voyez, et que le ministre lui-même en question, le ministre du Commerce, lui-même en question vient inaugurer. Je remercie monsieur le ministre du Commerce de venir inaugurer parce que publiquement, ça prouve à la population que ce que je fais est bien. Dans son allocution, Luc Magloire Mbarga Atangana insiste sur la commercialisation et la promotion des produits made in Cameroun dans ce marché.